Donc pour les opérations de fracture de chevaux de course debout, on a des fractures très standards qu'on appelle condylaires latérales qui vont partir de l'articulation du boulet et vont monter de façon très classique. Mais on peut aussi avoir d'autres types de fractures, notamment les condylaires médiales ou même des fractures latérales un petit peu plus complexes qui vont monter beaucoup plus haut dans le canon. Et donc il va falloir suivre la fracture pour tourner avec les vis dans le sens de la fracture. Et bien sûr, il faut éviter de mettre une vis en plein dans la fracture parce que sinon, bing, ça explose. Même si dans le cas des fractures, des réductions de fractures debout, on va pas avoir le réveil, hein, qui donc sera accidentogène. C'est un peu le but de connaître bien notre fracture avant de commencer. On a deux méthodes, donc bon, la radio bien sûr, différentes radios qui vont nous aider à comprendre la complexité de notre fracture. Et si on n'a pas de scanner, on peut s'aider, comme on l'a fait ici, de l'échographie. On prend une ligne de fracture et on va la suivre, ce qui va nous permettre de comprendre un peu dans quel sens tourne la fracture. Il faut savoir qu'un os, c'est rond comme ça. Il y a deux cortex et la fracture, elle peut tourner dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et l'écho va nous aider à comprendre ça. On recherche dans l'os, voilà, la fracture, la ligne de fracture, qui n'est pas forcément très évidente, hein. Et une fois qu'on la trouve, en fait, on va la suivre en remontant sur le canon pour savoir en fait dans quel sens elle va tourner, si c'est dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens. Il est évident que quand on opère, quand on pense à mettre des vis et des plaques à un cheval ou à un humain, souvent on fait ça endormi, sous anesthésie générale. Nous, on veut éviter la dangerosité du réveil et donc on va faire ça debout. Donc il est évident que le cheval ne doit rien sentir parce que sinon ça peut engendrer des fortes réactions. Donc il va être sédaté, c'est-à-dire légèrement assoupi, mais il va rester debout. À partir de là, il faut bien sûr faire une bonne anesthésie locale. Donc on va faire ce qu'on appelle un ring block. On va bloquer carrément tout le canon, en haut du canon. On va faire tout le tour avec l'anesthésique pour que toute la jambe, l'os inclus bien sûr, n'ait plus de sensibilité. Et donc on va pouvoir travailler. Le cheval étant très bien, il ne va rien sentir. Il est bien calé et tout se passe bien en général. Alors le plus important pour ces fractures debout, c'est pas forcément le chirurgien, ça va plutôt être le cheval et son tempérament, est-ce qu'il va être gentil, coopératif, ne pas s'énerver, etc. Et surtout l'équipe. L'équipe qui est autour, c'est la plus importante parce que c'est elle qui va tenir le cheval dans la bonne position, l'avoir endormi assez, mais pas trop, parce qu'après sinon il peut éventuellement tomber ou avoir peur. Et puis surtout, l'équipe qui fait les radios est très importante parce qu'elle va guider le chirurgien. En gros, le chirurgien, il va s'asseoir à côté et il va se laisser guider. D'accord? Donc c'est vraiment l'équipe alentour qui est la plus importante, donc les infirmières, les autres vétérinaires, les assistants, etc. On voit ici la fracture qui est vraiment très importante, qui monte assez haut. On voit très très bien le trait de fracture avec un trait qui part vers le cortex latéral et un autre qui part vers l'intérieur. Et donc à partir de là, on va attaquer par des vis tout à fait classiques au niveau du condyle, dans la fosse épicondylaire qui se trouve à cet endroit-là. C'est la fixation très classique. On sait maintenant où on va mettre notre première vis. Donc vous voyez vraiment que le cheval est détendu, ne bouge pas, ça se passe très bien. Et on va faire un premier trou qui va être de la taille de la vis qu'on va mettre. Et qui va prendre ce qu'on appelle le cis-cortex, c'est-à-dire le cortex le plus près de nous, jusqu'au trait de fracture. Au trait de fracture, on va changer de taille de drill pour mettre quelque chose de plus petit, afin que quand on va serrer après, ça rapproche la fracture jusqu'à éventuellement qu'on ne la voit plus du tout au moment où elle sera bien comprimée. Donc l'action de percer en fait l'os, hein, c'est vraiment comme du bricolage, ça va chauffer l'os et on ne veut pas qu'il nécrose après parce qu'on veut que notre vis tienne bien ces deux morceaux d'os entre eux, le but de fixation de la fracture. Donc on va arroser de façon continue le drill, le foret, afin que celui-ci soit refroidi et donc que notre os soit percé tranquillement sans subir de chaleur ni de nécrose après thermolatente. Donc une fois qu'on a fait nos trous de tailles différentes, hein, vous l'aurez compris, de part et d'autre de la fracture, on va faire ce qu'on appelle le tap, c'est-à-dire qu'on va faire le pas de vis à l'intérieur de l'os avec un instrument spécial. Alors là, on voit vraiment que le cheval ne bouge pas du tout, ça se passe très très bien, donc on sait que l'anesthésie est bonne, qu'il sent bien, qu'il est très stable, donc c'est très agréable pour tout le monde de travailler dans ces conditions. Donc là, on voit notre première vis ajustée à la bonne taille et en train d'être serré afin de comprimer vraiment la fracture. Donc une fois la première vis condylaire mise, on va remonter proximalement, donc vers le haut,
tous les 1 cm et demi, 2 cm en suivant notre trait de fracture. Donc au début, vous avez vu, il est bien central, c'est simple. Et après, on va se servir de ce qu'on a prédéterminé comme sens de rotation de la fracture pour tourner en fait autour de cette fracture et rester bien perpendiculaire à l'axe, histoire d'avoir une bonne compression. Donc après, c'est juste de la répétition et on monte tranquillement. C'est quelque chose qui va assez vite quand le cheval est comme celui-ci, vraiment très 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 gentil. Voilà, donc là on a le résultat final et comme vous voyez, on voit presque plus la fracture. On la devine encore ici sur cette vis-là, mais sinon sur plus distalement et plus proximalement, on voit plus rien. Donc ça veut dire qu'on a une bonne réduction de la fracture, qu'on a mis les vis dans le bon sens et au bon endroit. Donc ça c'est tout à fait satisfaisant. Et maintenant, on va pouvoir refermer la peau. Pour aller un petit peu plus vite, on va fermer les incisions de peau avec des agrafes. Et puis ensuite, on va déshabiller le cheval tranquillement et puis lui mettre un beau bandage pour qu'il puisse rentrer dans son box. Donc, on vient de voir toute une chirurgie de fracture condylaire latérale assez expansive sur un antérieur, mais il faut savoir que on peut aussi faire ça sur les postérieurs, que les chevaux sont vraiment très gentils et donc on a exactement le même type de chirurgie sur les postérieurs sans prendre des risques inconsidérés pour le chirurgien, pour l'équipe ou pour le cheval.